Maar de meditatie is die turbulentie van de stad. Hoe gaan we daarmee om? En vooral, wat gebeurt er bij ons? En hoe gaan we om met de dingen die hevig zijn in onszelf? We hebben zo'n zenverhaaltje van een leraar die vraagt van: toon me eens een bewegingsloze boom in zware storm. Een boom die niet beweegt in zware storm. Een straatretraite is zoiets. La pagode, c'est quelque chose comme la pratique de la vie. Là, on apprend ce que Bouddha a enseigné. Jusqu'à présent, le bouddhisme a été, je dirais, entretenu, développé dans des monastères. Et le bouddhisme zen en particulier a toujours été vécu par des moines. Et aujourd'hui, justement, il est vécu en dehors. Et je suis très curieux de voir comment ça va évoluer. Ouais. Parce qu'il sort un peu de son biotope traditionnel. Et qu'est-ce qu'il devient quand il est planté dans un autre terrain? Donner, par exemple, on doit donner à manger, projeter à manger pour payer l'électricité, pour payer le gaz, le téléphone, tout ça, des frais dans la pagode. Ouais. Parce que les moines, il n'y a pas de salaire. Ah oui. Ils ne travaillent pas. En fait, ils travaillent pour les moines. Ouais, pour donner un peu. Être bouddhiste, ça veut vraiment. C'est très large en fait, le bouddhiste. Oui. Tout le monde peut être bouddhiste. Il faut savoir le juste milieu du bouddhiste. Mais je ne saurais pas, il faut tenir les 5 commandements comme n'importe quelle religion, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tout ça. C'est là en fait. Mais c'est ça qui est en soi. On se sent aujourd'hui bouddhiste. Parfois, il y a des jours qu'on se sent pas bouddhiste du tout. C'est le vouloir de chacun en fait. In een wereld waar het allemaal zo hectisch is en druk en agressief enzovoort. Thay heeft een heel mooi boekje dat in het Nederlands vertaald is. Het gras wordt groener. Het gras wordt groener. Dat gebeurt. Als je vraagt wat is mindfulness en wat is interbeing. Ja, het gras wordt groener. En ook groener voor meer leven, meer krachtig. Aanwezig en gezien. Terwijl ik uitadem, laat ik alles los. Glimlachen, loslaten.